Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, enfin, le Fest Storm vient d'arriver. Et pas que, hier il y avait une mise à jour sur le jeu. Donc on va parler de la mise à jour un petit peu. Et puis on va parler du Fest. Donc en ce moment, pour ceux qui ne savent pas, le Fest c'est un festival qui réalise tout à peu près tous les persos. En général, ils mettent deux personnages tous les deux jours, ils changent. Donc ici c'est un peu spécial, le fait que c'est un spécial catégorie. Donc le premier jour, donc du 20 au 22, c'est catégorie. Puis il y aura oh, je vérifie quand même. Je pense que le deuxième jour c'est rallye. Et bon, je regarde. Bon, Hancock, c'est pas très nouveau. Elle est souvent là. Big Mom, ça fait, je pense, la troisième fois qu'il apparaît un Big Mom dans. Je pense que c'est la troisième fois qu'elle apparaît Big Mom. Ener, c'est pas la première fois qu'il y a Ener qui revient. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a dans ce beau monde. Donc le premier jour c'est catégorie. Forcément il y a un bonus de cours hein, avec l'événement. Patienter un petit peu. Enfin, il est là. Donc, il y a un bonus de cours avec l'événement. Donc, en tout, ça vous fait 30 pièces. Hein. Donc, je vous parlais de la mise à jour. Ce qui est bien ou pas bien. Comme ça, ben, c'est fait. Comme ça, vous êtes au courant. Donc, c'était hier qu'il y avait la mise à jour, mais je vous dis, on va faire en un. On va faire tout en un. Donc hier il y avait une mise à jour avec le jeu. Il y avait une mise à jour. Ça, moi. Donc, en rapport avec la zéro, ils ont fait un nouveau truc dans le multiplayer. Donc maintenant il y a des couleurs pour chaque joueur. Donc du coup vous savez qui va viser. Parce qu'au début c'est donc ça c'est en rapport avec le l'arc-en-ciel. Donc ça c'est là en rapport avec l'aspect là une fois vaccé hein, donc tout se diviser en deux, hein. Donc, il y a un truc spécial avec ça. Je pense qu'il y aura des. En fait, selon le type, donc, que ce soit des puissances, etc., que ce soit des cogneurs, des guerriers, mais selon quand vous utilisez l'arc-en-ciel, il y aura des debuffs. Donc, les cogneurs, il va ignorer la défense, ignorer le spécial, emporter la force. Si c'est à moyenne distance et un sniper, et je pense qu'il y a un bonus sur le perso. Donc, celui qui utilisera l'arc-en-ciel selon le type, il y aura. Et les assassins et les soutiens, c'est des points de vie augmentés. Donc, chaque perso, bon, chaque type a un droit à un truc spécial. Quoi. Ça, il faut voir avec le truc. Ensuite, ce qu'on fait aussi au niveau des. Maintenant il y aura un nouveau cadeau, je pense. Ça va réunir tous les trucs, je pense. Ça va vous gagner de la vie, de la force, je pense. Il y aura il y aura des nouveaux pièges, apparemment. Il y aura des nouveaux pièges. Donc, si c'est ça. Je sais pas si c'est utile en soi. En fait, c'est les viseurs, donc maintenant,
Au début, on avait qu'un viseur, hein, donc c'était notre partie. Maintenant, on voit le viseur de tout le monde. Mais forcément, maintenant, il y a des scores à des couleurs. Je pense, le rouge, c'est le score du rouge, et le truc bleu, c'est le score du bleu, en fait. Parce qu'au début, au niveau des scores, c'était brouillon, hein, tout était blanc. On va dire, ils ont mis une couleur au niveau des scores. Donc, tout ce qui est score rouge, c'est au rouge. Tout ce qui est score bleu, c'est au bleu, quoi. Je sais pas si c'était nécessaire de faire ça. Mais bon. Il y a un nouveau truc au niveau des. Au niveau des. Ça, c'est pas. Si ça, avec les events, on pouvait farmer barbe blanche, carpe et ace en version jeune. Là, je sais pas trop ça parle de quoi. Ils ont vu une mise à jour au niveau de l'arbre. Pour l'arbre, il faut que vous aviez un personnage en 7 étoiles. Hein. Donc, au lieu de faire. Au début, on pouvait faire une par une. Maintenant, vous pouvez faire tous à la fois. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc, au début, vous devez faire une par une. Ce qui était un petit peu chiant. Maintenant, vous pouvez faire tous à la fois, ce qui est quand même sympa. Voilà, c'est ça qui a été mis en mise à jour, qui a été mis en avant. Donc, maintenant, on va parler du fest. Pense que c'est là. Donc voilà, pour le premier jour, donc du 20 au 22, c'est catégorie seulement. Le deuxième jour, donc du 22 au 24, c'est Rally et NR. Pour Rally, c'est la première fois qu'il est dans un fest. Ou pas. Peut-être la deuxième fois. Je sais plus si. Une chose qui était quand même apparue. Du 20. Donc, je n'ai pas pu le faire les deux premiers jours. Il revient. Donc, Luffy est catégorie du 24 au 26. Du 26 au 20. Au 20 Le 26 au 28, c'est Big Mom et Akainu. Le 28 au 30, c'est Hancock et Marco. Donc, Hancock, généralement, elle est souvent là. Ener aussi, il est quand même assez présent. Big Mom, qui revient assez récemment. Dans le précédent, elle était là. Donc voilà. Pas trop nouveau, mis à part catégorie. Donc je pense des droits multi gratuits grâce à l'événement. Donc il y a le retour des animaux, hein, je vous conseille de le faire. Donc il y a l'événement avec Luffy contre catégorie. Donc il y a le retour des animaux, je vous conseille de le faire. Hein. Ça c'est tout ce qui concerne la vente. Malheureusement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça c'est franchement un système de merde. Donc en fait il y a un pack, vous pouvez acheter des pièces, mais en plus vous avez des animaux en gold. Pourquoi ils ont fait ça? Par contre ça c'est ridicule. Alors que les animaux sont gratuits. Je veux dire, pourquoi faire un pack avec des animaux? Par contre j'espère qu'il y aurait justement un événement avec les Coréas quoi. Par contre mettre des animaux en vente. Pas du tout, là je suis pas du tout d'accord quoi. Si vous êtes fainéant, mais non, franchement, surtout ça, grâce à l'événement là, ça se fait tout seul quoi. Grâce aux animaux là, vous pouvez farmer grâce à l'événement ici, vous pouvez farmer facilement les animaux. Hein, achetez pas le pack avec des animaux quoi. Donc voilà, je pense que c'est des droits multi gratuits. Je me trompe pas. Donc ça, c'est quand même cool. Hein. On va aller voir les commences. Il donne une speed de catégorie et Luffy. Ça, c'est comme ça pas. Pour bon, moi, Luffy, par exemple, j'ai déjà un très bon Luffy. Donc, il donne quand même la nouvelle speed de Luffy. Hein. C'est comme ça pas. Personnellement, celle-là, je vais pas trop la teaser. Hein, vu que j'ai déjà des speed assez bien. Ça va. Vous avez quand même une speed gold. Est-ce que c'est des speed ou des cartes bonus? Non, c'est des SP vu qu'il y a le larron gold.
Vous avez droit à comme une DSP, deux DSP des deux, c'est comme ça va. 30 pièces, donc à chaque fois qu'il y a un fest, il y a souvent 30 pièces de gold, ça c'est comme ça va. Et 30 pièces de catacueil et 30 pièces de Luffy pour l'événement. Ça c'est comme ça va. Faut passer aux choses sérieuses ou pas? Donc je vous montrerai l'événement, hein, ça. Donc l'événement, donc il y a plusieurs événements, donc il y a quand même pas mal de pièces à récupérer. Et aussi l'événement là, donc c'est du maintenant jusqu'au 30, donc il y aura quand même pas mal de pièces à récupérer, donc ça c'est comme ça pas. Ça c'est l'histoire. Ça c'est des éléments dont on peut voir. Hein. Au niveau des recompenses, je pense qu'il donne 10 pièces peut-être. Une pièce, une carte compétence de, une carte bonus de catégorie. Faut le faire, hein, vu que c'est gratuit. Hein. Donc voilà, bon, il y a le fest, hein, donc vous pouvez, je pense, cette catégorie Luffy, hein, en tout cas ainsi. Donc, il y aura plusieurs groupes hein, dans le fest. Vous avez droit à 6 chances, donc ça c'est les bonus. Donc, vous avez droit à un bonus des personnages, il me semble. Donc c'est ça. Donc c'est un bonus. Hein. Ça c'est les trucs. Et si c'est des bonus en fait. Ça va donner des personnages en plus. En fait. Et puis en plus, ça c'est un nouvel événement qui est un peu plus dur, je pense. Hein. C'est la même chose, mais en plus dur. Là aussi, il y a des pièces à récupérer, donc là, il faut vraiment un bon gros niveau. Hein. Donc voilà. Hein. Donc, ça, on fera tranquillement, je pense, demain soir, vendredi soir, comme ça, on sera tranquille. Donc, voilà, invoquer. Nos pièces, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Pense qu'il y a une multi gratuite. Donc il y a bien une multi gratuite. Et c'est tout. Il n'y a pas la multi à 30. Ça, c'est une multi gratuite. Ça c'est quand même cool, donc il y a quand même pas mal de speed, donc tous les speed de forcément des fest, hein. Donc il y a une air, il y a le speed de Luffy, Big Mom, etc. Je pouvais éviter Big Mom, ça m'arrangerait. Par contre, il n'y a pas les deux speed de Katakuri. Sachez que Katakuri a deux speed hein, dans le jeu. Ils ont donné 2 speed, donc une fois maxé l'attaque c'est 32 000. Je pense qu'il doit avoir des. Ah ouais, il a des effets, je pense qu'il peut diminuer la vitesse et la défense. Donc c'est comme ça pas. Peut diminuer la vitesse et la défense. L'aspect de Luffy. Je pense qu'elle est bien. Alors, non, c'est pas la bonne. Forcément, c'est pas la bonne. Une fois maxé 288 000 de puissance. C'est largement moins de dégâts que. Sa deuxième ex, quoi. Si vous voulez vraiment invoquer sur Luffy, si je donnais un conseil sur Luffy, attendez les 3 ans. Franchement, moi personnellement, si je donnais un conseil pour invoquer sur Luffy, attendez les 3 ans. Moi personnellement, j'ai pas besoin de lui, vu que j'ai déjà des bonnes compétences, j'ai déjà des SP bien élevés, donc moi j'ai pas besoin de l'aspect de Luffy. Ça ferait chier. Si, pardon, si tôt plusieurs fois, ça me ferait chier. Que par, vu que j'ai déjà un très bon Luffy, ça me ferait chier d'avoir d'autres spé de Luffy en fait. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est forcément d'autres personnages. Si Katakuri est bon et que d'autres spé tombent, ça m'arrange. Forcément. Et d'autres.
notre spé tombe, ça m'arrangerait aussi. S'il y a d'autres spé qui tombent, pourquoi pas? Et pas ceux de Luffy, quoi. Ça ferait chier, quoi. En gros, donc, on est parti. J'espère que vos invocations se sont bien passées. En tout cas, on va passer aux miens. J'espère qu'ils seront bien. Il revient pas en arrière, donc quoi qu'il arrive, on envoie une multigraphie. Allez, c'est parti. Mon kiki. Là, je la sens pas. Sauf ça ne correspond pas à une 5 étoiles, donc quoi. Allez. Quelque chose, quoi. Allez. Allez. Catégorie tombe. S'il te plaît, tombe. Pas Big Mom, s'il te plaît. Pas Luffy. Oh. Kizaru. Ça décès SPX. Je l'avais pas. On prend. Tout ce qui est. Est-ce que j'ai des actes que j'ai pas? Je prends. Hein. Marco. Une compétence de Marco. Ah! Le doublon de l'aspect de catégorie. Donc ça c'est cool. Je pense qu'elle sera aspect 2, aspect 3. En tout cas, si. Désolé de l'attente, donc je demande une SPX, demande l'aspect catégorie, faudrait en gold, c'est pas mal le doublon de Big Mom, mais Big Mom j'utilise pas, au moins une SPX, au moins une SPX que j'avais pas, on prend, nous avons au moins une SPX, nous avons eu au moins une 5 étoiles. C'est mieux que rien, sachant que ça ne garantit pas une 5 étoiles. Hein. On est parti pour les payantes. C'est ceux qui feront super mal. Hein. Et on fera à la fin un single. Hein. Ce serait pas, quand même pas mal. Allez. Donc il y a la deuxième SPX qui ferait peut-être moins mal que le 282 000. Elle aussi, je pense qu'elle diminue la vitesse et la défense. Donc c'est quand même sympa. Donc c'est pas des specs qui font vraiment ultra mal, mais pour débuter je pense que c'est bien. Ok, sinon il y a d'autres ex, il y a l'ex de... Il y a d'autres ex, donc s'il y a d'autres qui tombent et il y a quelques qui tombent, ça m'arrangerait. Hein. C'est des deux. Si l'un des deux, on l'a moins deux fois. L'avons moins deux fois. Donc quand j'avais monté l'aspect de Dolphy, j'avais deux doublons et trois en argent. C'est parti. Là, on vient pas en arrière. Nous avons une 5 étoiles dans la petite gravure. C'est mieux que rien. De toute façon, ça ne compte pas les 7. Ah! Nous avons la chemise en rouge. Parce qu'elle va pas porter. Est-ce qu'elle va porter chance? C'est du lourd. Catégorie, si tu tombes, c'est énorme. Je crois pas trop. Une compétence de Nico Robin. On prend. Catégorie, si tu tombes. Si elle deux tombe, ça serait énorme. Et j'y crois pas trop. Oh yes! Oh yes! Une des spé qui tombe, en plus c'est la gold, donc je pense que je l'aurai spé 4, spé 4, spé 5.
C'est mieux que rien. Oh yes. Sa première SPX. Qui tombe. Magnifique. C'est déjà de une. Si les deux tombent, ça me donne rien. Et voilà, je pense que c'est la deuxième SP compétence. En plus qu'à l'avoir en gold. Je pense que je leur rends moins 5 étoiles. Qui est quand même pas mal. Magnifique. Elle est tombée. C'est déjà de une. C'est mieux que rien. Magnifique. Elle est tombée. Elle est tombée, donc ça c'est la deuxième compétence. Faut qu'elle avoir en gold, ça serait énorme hein, d'avoir les deux. Là, c'est. Là aussi, dommage qu'il ne garantisse pas les 5 étoiles. Hein, mais bon. Allez, croisons les doigts. On avons au moins une fois. Est-ce qu'on aura la deuxième? Ça serait énorme. Avoir les deux. Nous avons au moins une des deux. Sauf que elles sont pas. Celle-là, je ne sens pas. Les épaules et ralentissements, ça, je pense que c'est OBS. Compétence. Une compétence, pourquoi pas. Et voilà. Une compétence. On prend une compétence. Bon, ça, c'est une compétence. Ça, c'est la compétence de. De. Allez. Ben Baker. Nous avons une compétence de lui. Qui est pas mal. Ce qui est pas mal. On va faire les singles, on va voir si nous avons la chance ou pas. C'est jamais. Au moins, nous en avons une de SP, une de CSP. Est-ce qu'on aura la chance en single ou pas? Non. Et des gueules sont tombées. Dans des singles. Donc, on retente à chaque fois. Hein. Mais c'est pas vrai, quoi. Désolé, attends. Putain, la question s'est perdue. Mais pourquoi? Désolé, je vais remettre. C'est ballot, putain. Qui fait bon, désolé hein oui, j'ai une compétence de loot hein. Allez j'ai une compétence c'est pas grave il y a encore 4 singles est-ce qu'on aura une gold ou pas. Donc, les dernières gold que j'ai en single, c'était Barbe Blanche. Hein. SPX de Barbe Blanche. Pour ça, nous avons au moins une SP. Une des SP. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Ça, c'est une carte bonus. Allez, encore 3. 3 singles. Allez. Et bon, je l'ai. L'ex de. Comment je veux savoir. Hein. Allez. En plus, il est bien, lui, il est bien comme personnage. Il est pas mauvais. C'est rien, c'est rien. Quoi qu'il arrive, je suis assez content. Je suis
plus ou moins de CSP en gold. Ça aurait pu rien avoir. Hein. On va voir si je peux entrer plus tard du single ou pas. Quoi que je sois assez content, j'ai au moins 2 SPX. Quelques SPX. J'ai au moins 2 SPX. Une dans la gratuite, une en payant. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Je peux pas me plaindre. Ça, c'est cool. Je pense que j'aurai SP5. Hein. Je me trompe pas. On va aller débloquer. Catégorie. Ouvre le fil. On va le maxer. Sinon, j'ai de quoi maxer perso. Magnifique. Donc, lui, c'est un frappeur, hein, comme Luffy. Mais c'est un assassin, quoi. Au début, j'aurais pensé que ça aurait été un cogneur, quoi. Mais finalement, c'est un assassin, ça m'arrange, quoi. Je sais pas. Qu'il soit pas un cogneur. S'il était un cogneur, ça m'arrangeait pas trop, quoi. Donc, je dis que j'ai déjà un très bon cogneur. J'ai pas envie de me retaper encore un autre cogneur, quoi. Nous avons des bons. Comme ça. Comme ça, je vous montre l'exemple avec les l'arbre de compétences, on va dire. Comme ça, il va être cette étoile. Directement, on m'a fixé. Il a acheté ses médailles. On n'a pas tant. J'ai assez pour sa médaille. Je vous dis qu'il était en dernier. Luffy, j'ai un Luffy 8 étoiles. Donc, pas si je ferai. Je le montrerai. Hein, mais... D'ailleurs, Luffy, il a pas de nouvelles compétences. Hein. Il n'y a qu'une nouvelle spé. Elles étaient radins là. Luffy, il n'y a qu'une spé en fait. Il n'y a qu'une nouvelle spé, mais pas de nouvelles compétences de Luffy. Où tu es, catégorie? Tu peux mettre un mode de recherche. Il y a des médailles à farmer, donc il y a des cristals à farmer. Voilà, c'est le complet. Hop, ça, comme ça, je vous montre le. La nouvelle fonction. De l'arbre compétence. Oh, tu es catégorie. On va en faire un tri. Ça c'est chiant. Voilà. Magnifique. Comme ça, je vous montre la nouvelle fonction de l'arbre compétence. On va aller dessus. Ok, catégorie. Il est là.
gros, je m'en fous. Donc, quoi. D'habitude, on fait une par une. Hein, mais maintenant, on peut faire. Au lieu de faire un par un. Parce qu'avant, on faisait un par un. Maintenant, on peut faire tous ensemble directement. Sans passer un par un. Donc, ça, c'est quand même cool. Ça, c'est quand même sympa. Comme une nouvelle fonction. En rouge, il m'en faut encore. Hop. On est pas le bon. En rouge, il m'en faut quelques-uns. Non, il m'en manque des pièces rouges. Faut voir. Je pense qu'il m'en manque des pièces rouges quand même. Voilà. Tant qu'à faire. Je vais voir, mais il semble qu'il manque des pièces rouges. Ok. Il manque des pièces jaunes en fait. Il manque des pièces. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Il manque des pièces, mais au moins il est bien. Voilà. J'ai vu la nouvelle fonction avec l'arbre des compétences. On va le mettre à la place de. Lui, on va passer à Arkong. Ça c'est cool. Donc il y a au moins une spé de lui. Je vais essayer de faire des singles, quelques singles pour avoir la deuxième. Enfin, si j'ai pas la deuxième, c'est pas grave. Hein. On va dire. Voilà. Ok, je suis assez content. Ok, je suis assez content. Hop. La deuxième, elle est là. Donc, ça, c'est sa compétence. Celle-là, c'est la deuxième. Là, si on met des cartes bonus. Attendons. C'est un assassin. On va maxer l'aspect. Je pense que j'ai de quoi maxer l'aspect. Il faudrait une place pour la troisième compétence. Je verrai pour la troisième compétence. On va les monter l'aspect. Elle est où? Ah non, c'est 4 et demi. Magnifique. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Voilà. Et voilà monter. On va monter. Prends le temps. Hein. Je savoure ma victoire au niveau des invocations. Je savoure ma victoire. Va aller monter au niveau.
Ce qui arrive, c'est assez content. C'est assez content. J'aurais pu avoir rien du tout. Donc, j'ai deux SPX, en plus assassin, de préférence. Donc, bon. Juste qui manquait un petit peu. Magnifique. Valeur, je pense que j'ai assez pour la SPX 7. Comme ça, il est bien. Ça, il est bien monté. Magnifique ça. Plus qu'à monter les son type. Voilà. En profiter. Un petit peu c'est mieux que rien. Magnifique, magnifique. Alors, si je pense que c'est quoi 120, voilà. Comme ça, il est bien. C'est quoi, bah, le Bon, je pense que ce sera bon. Je pense que ce sera bon, hein. Donc voilà, hein, nous avons eu ce qu'il faut. J'aurais pu rien avoir, mais ça va. J'ai récupéré la compétence qu'il y a en son event. Hein. Donc voilà, donc c'était une vidéo sur One Piece Storm Jap. Donc, je vous ai parlé de la mise à jour. Donc, il y a une nouvelle fonction par rapport aux arcs-en-ciel. Selon les différents types, à chaque fois que vous lancez l'arc-en-ciel, chaque type a. Donc les cogneurs peuvent défoncer la défense. Donc c'est comme ça va. Donc à chaque en fait, selon le type, ça change. Ça, il faudra voir pendant un live quoi. Cette fonction. Donc j'ai aimé cette vidéo. Mettez des pouces bleus, commentez ce que vous avez reçu lors de ce portail, qui vous allez viser en premier. Pour moi, vraiment, si vous voulez avoir un bon Luffy, attendez les 3 ans. Surtout, cette suspect va certainement revenir pendant les 3 ans. Hein. Sachant que la première SPX était revenue pendant les 2 ans. Donc, si vous voulez avoir un bon Luffy, attendez les 3 ans. Sincèrement, attendez les 3 ans. Sinon, il y a Ener qui est très bon. Il y a Kanu qui est très bon, Raleigh qui est très bon, Marco qui est excellent, et bon, Hancock qui est très bien aussi, donc ouais. C'est un bon fest, hein. C'est un très bon fest. Bon, Big Bomb, en fait, elle est très bien aussi, mais bon. C'est pas mon perso préféré, donc ouais. Voilà. Prenez bien soin de vous, on fera un live demain soir, tranquillement. Tranquille. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.